Un peu de reverb, s'il vous plaît, un peu plus fort pour les morceaux comme ça. Succès de ma vie, c'était à Victoria. Alors, comme autrefois, on va faire un petit tour en Roumanie, en commençant par la région du Nord qui s'appelle Maramureș, la Transylvanie du Nord, et on va vous présenter ensuite des potpourris, si je peux les appeler comme ça, des petites suites. Qui représente chaque région. Je suis entouré ce soir par des musiciens de grande valeur qui font partie de la génération dont moi-même je fais partie et de la jeune génération. Chacun est une star en soi, chacun est un grand. Vous allez le remarquer ce soir. Et je tiens à vous présenter à l'alto Stéphane Boucour. Myriam Ariane à la contrebasse. Le jeune, le talentueux et l'extraordinaire Costel Pandelescu au cymbalon. Son père, Vasile Pandelescu, à l'accordéon, qui est notre plus grand accordéoniste. Et ce virtuose unique et de grand talent au violon, c'est Alexandru Marin. Suite de Maramureș.
Thank you.
Thank you.
passer maintenant dans la région du Banat, à 700 km plus loin de la Moldavie. C'est la région voisine à l'ex-Yougoslavie, à l'Hongrie et un peu à la Bulgarie par les portes de fer. Et on va vous présenter une suite de la région de Banat que nous-mêmes avons arrangée et orchestrée. Ça commence par une doïna. Je suis absolument sûr que vous connaissez ce genre de chanson. Ce genre unique au monde et inimitable, même chez nous, il y a très 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 peu d'artistes qui ont perçu le secret et la profondeur dans la méditation et dans le vrai sens de la doïna, qui est souvent une contemplation, une méditation intérieure, un dialogue avec la nature, un élément de la nature, une fleur, une rivière, un ruisseau, un arbre, un oiseau et sa bien-aimée ou son bien-aimé. Et c'est comme ça. Les Roumains sont des artistes nés et c'est ce qui est caractéristique chez nous, c'est surtout ce genre de chanson, la doïna. Thank you.
Dans mes mains en 1955. Et comme c'était un moment unique de ma vie, je dédie un nombre de mélodies qui sont maîtres phoniques à l'époque. Thank you.
Tudorico, nene. Je tiens énormément à vous présenter un des plus grands phénomènes du folklore roumain des derniers 25 ans. On est né dans le même village, on a grandi dans la même rue, on était voisins, et puis on a changé des moments inoubliables dans notre vie artistique. C'est moi qui l'a découvert dans un sort, si je peux le dire, et qui a réalisé son premier disque, deuxième, troisième, quatrième. Et c'est comme ça que le grand succès de Vassile Pandelescu a commencé. Il y a 20 ans juste, on a donné un concert au casino de Berne et il a soulevé 3000 gens avec son accordéon. Il a réussi à créer une école à lui, un style propre, inimitable. Allô.
Chloé était une très belle fille. Un jour, elle tombe amoureuse du soleil. Et elle dit à sa mère, « Maman, je suis tombée amoureuse du soleil. Je dois m'en aller. » Et comme elle était la seule fille à la maison, la mère, comme n'a pas voulu qu'elle soit quittée par sa fille, elle a jeté un sort contre la fille en la transformant en alouette en lui disant, « Toute ta vie, tu seras oiseau, alouette. Tu feras tes chants sur les plaines. Tu ne rentreras jamais dans la forêt. De temps en temps, peut-être, tu auras le droit de dialoguer avec les autres oiseaux. » Chacun est une star en soi. Chacun est un grand. Vous allez le remarquer ce soir. Et je tiens à vous présenter à l'alto Stéphane Boucour. Myriam Ariane à la contrebasse. Le jeune, le talentueux et l'extraordinaire Costel Pandelescu au cymbalum.
son père, Vasile Pandrescu, à l'accordéon, qui est notre plus grand accordéoniste. Et ce virtuose unique et de grand talent au violon, c'est Alexandru Marin. Suite de Maramureș. Succès de ma vie, c'était à Victoria. Alors, comme autrefois, on va faire un petit tour en Roumanie, en commençant par la région du Nord qui s'appelle Maramureș, la Transylvanie du Nord, et on va vous présenter ensuite des potpourris, si je peux les appeler comme ça, des petites suites. Qui représente chaque région. Je suis entouré ce soir par des musiciens de grande valeur qui font partie de la génération dont moi-même je fais partie. Thank you.
Un peu de reverb, s'il vous plaît, un peu plus fort pour les morceaux comme ça. Thank you.